Putain, t'es dégueulasse. J'ai pas les trucs comme ça, c'est crade, c'est sale. C'est pas quoi là, ça va? C'est sale. Pas un cas. Là, parce que c'est crado. On a fouillé ici, comment on a fait pour passer à côté? Le parc c'est 2200 hectares, le lac 350. Hein, le procureur est là, il est à deux doigts de nous dessaisir, il veut tous les rapports de recherche sur son bureau dans une heure. Vous vous débrouillez comme vous voulez, à partir de maintenant c'est ça la priorité. Non, la priorité c'est d'annoncer à Julien et Florence Moret que leur fille est morte. Excusez-moi. Monsieur Panker. Bonjour. C'est elle? Mais on l'a trouvée cet après-midi. Passer voir les parents de Léa. C'est du beau. Je vais t'accompagner à la maison. Hein? C'est bien. Si vous voulez, je peux la raccompagner et rester avec elle en attendant. Oui. Oui. Merci. Thank you.
s'agirait du corps de la jeune Léa, 17 ans, disparue le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Merci Cyril Claire, c'était notre envoyé spécial à Lyon, couvrant l'affaire. Rose ? Rose ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Camille Garin. Karine Molina. Est-ce que Rose va bien ? Ça va, elle est dans son bain. Je vous laisse. Je voudrais savoir si... Je voudrais savoir si elle a souffert, s'il vous plaît. Elle est morte sur le coup. Elle n'a absolument pas souffert. Merci. Est-ce que je peux rester seule avec ma fille ?
par où un monde d'amour. Ça va prendre combien de temps? Je vais y passer la nuit. Vous aurez les résultats demain matin. J'ai quelque chose. Quelque chose est écrit à la main. Regardez, une sorte de liste. C'est peut-être lié à son petit trafic de coke, non? L'encre est trop diluée, là, on peut pas lire. Oui, j'envoie là-bas. Et Rose, ça allait? Pas terrible, mais elle fait tout pour faire croire le contraire. J'ai attendu que votre femme arrive avant de partir. Corps reçu ce jour. Patient de type féminin. État leucoderme. Présente un tatouage auriculaire droit. Plein au front. Je savais même pas qu'elle était à Mirabelle. Mais c'est bien ce que je te reproche. Ça fait à peine 10 jours que tu as ta fille et elle se retrouve sur une scène de crime. Mais elle t'explique sur une place avec ses potes. Mais c'est pas possible, mais c'est toujours la même chose quand on vit avec un flic. Voilà. Si c'est pour continuer à vous engueuler, c'était pas la peine de divorcer. Chérie, va t'habiller, s'il te plaît. Quoi? Je reprends Rose avec moi. De toute évidence, je n'aurais jamais dû te la confier. Non mais attends, t'es gonflée? Tu me supportais plus, du coup tu m'as collée chez papa. Bon, ça va. Ta mère, je t'inquiète pour toi. Non, non. De toute façon, je reste ici. Belles éclaircies sur la majeure partie du pays. Quelques averses résiduelles sur le littoral atlantique, mais les températures resteront dans des normales saisonnières. Ce temps très estival persistera toute la semaine. C'est un bel été qui s'annonce et qu'on attendait depuis très longtemps. Bon, on fait un point dans 2 heures. Allez, attendez. Bonjour. Bon, j'ai revu toute la grille des recherches avec l'étude de plongeurs. Voilà. Alors même si on y allait passer 2 semaines, on n'aurait pas forcément trouvé le corps. Le lac est immense. S'il n'était pas remonté tout seul à la surface. Ok, bon, on continue de ratisser les berges, les barques, tous les accès au lac et au parc. Venez. Regarde. Oui. On voit une copie de ton rapport à Louvain. Entendez. Tu nous lâches un peu, là. T'as réussi à dormir un peu? Tellement.
Ah, t'es allé à Milan? Oui. Faudrait savoir quand est-ce qu'on pourra récupérer son corps. Parce que... ils vont faire l'autopsie, mais je... ils ont pas dit... combien de temps ça mettrait, ils ont dit. On lui parle de ça. Ah bah oui, mais... on peut pas en parler. Parce qu'il faut... il faut préparer l'enterrement. Il faut faire les faire peur et tout. Ça va, chérie? Bonjour, c'est Chris pour Romain. Madame, il y a Chris qui vient voir Romain. Merci. Chris, je suis désolée, mais Romain ne se sent pas bien. Alors, je peux repasser tout à l'heure? Il est totalement bouleversé parce qu'il est arrivé à Léa. Mais c'est pour ça que je suis venue le voir, c'est pour l'aider. Je sais. Mais là, il ne veut parler à personne. Il était très amoureux de Léa. Il est vraiment très mal. Je sais qu'elle est toi qui es très proche. Ça va être très dur pour toi aussi. Tu confirmes c'est l'écriture de Léa? Oui. J'ai ravivé l'encre le plus possible pour la rendre lisible, mais je ne peux pas faire plus. C'est bien une mise de nom. Pardon? Ah oui, c'est non, c'est ses copains. Ils étaient tous au City le soir de son anniversaire. Copains qui sont peut-être aussi clients, hein. C'est qui, Franck 39? C'est le seul que je connais pas et j'ai jamais entendu parler d'un Franck dans son entourage. Elle a mis un point d'interrogation dans son nom, elle était pas sûre qu'il viendrait. Ouais, enfin, c'est un pseudo internet, hein. Il fait peut-être pas partie de sa bande de potes. Faut éplucher tous les messages, là, tous les chats de Léa. Je mets l'informatique dessus. Sinon, la base contourait le corps, hein. Ah, aucune trace ADN. En même temps, avec le passage dans l'eau, c'est pas très étonnant. Ouais. Bon, bah merci. Avec Flo? Elle est là, Chris. Dans sa chambre, hein? Chris. Chris. Est-ce que t'as gardé les photos de la fête de la musique? Ben, ouais. J'ai besoin de ta carte mémoire, s'il te plaît. Les flics, ils ont déjà étudié. Donne-moi ta carte mémoire, s'il te plaît. Elle est là. Tiens. Tu vas où? Au resto. On m'a dit qu'on fermait. Ben justement, je serais tranquille pour étudier la photo comme ça. Mais tu crois pas que tu devrais plutôt rester avec Flo? Non! Je ne crois pas! Je te rapporte.
J'ai trouvé une série de chats entre Léa et Franck 39 sur un site. Quoi, genre site de rencontre? Un blog de littérature. Les chats ont commencé il y a 3 mois. Le dernier chat date de quand? 21 juin, 17h13 exactement. Quelques heures avant la disparition de Léa. Oui, il parle de la soirée au City. Léa insiste pour qu'il vienne, mais Franck 39 pense que c'est pas une bonne idée. Faut m'en trouver l'identité de ce Franck 39. Là, je suis dessus. Je vous préviens dès que je l'ai. Merci. Maman, tu joues? Bon. Hop. Accident. Oh là là. Oh, t'es mauvais. Ça fait un peu. Mais tu sais, je vais pas me laisser faire comme ça en me regardant. Tac. Ah. Attends, attends, c'est pas toi, chérie. C'est bon? Ben non. Je peux pas jouer. En général, bol de joie, je n'aime pas perdre, ça m'ennuie. J'ai envie d'une crêpe au chocolat. On va au parc? Allez, viens, chérie. Allez, zo. Écoute, on termine après. On termine tout à l'heure, chérie. Tu prends ton gilet, on sait jamais, chérie. Et puis, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Maman, je te demande pardon, je m'en vais tellement, j'aurais dû raccompagner Léa, c'est de ma faute. Bien sûr que non, on tient pour rien. Mais si, si, elle est morte à cause de moi. Mais ce que je sais, c'est que d'où elle est, Léa, elle veille sur toi. Comme quand j'avais touché à ses affaires et qu'elle était au lycée et qu'elle le savait déjà. Vu les insectes retrouvés sur le corps, il n'a pas été mis dans le lac tout de suite. La mort date de quand? Je dirais qu'elle est morte le soir même de sa disparition, au plus tard le lendemain matin. Les causes de la mort? C'est bien le coup qu'elle a reçu à la tête qui l'a tuée. Mais je vous en dirai plus quand j'aurai reçu les derniers résultats. Elle était donc déjà morte quand ses parents ont reçu un appel de son portable. Mais c'est horrible de leur avoir fait croire qu'elle était vivante. Ouais. Pour nous attirer du côté de la gare et nous éloigner de Miribel. Bon, bah on va repartir de là. Mmh. Moi, j'irai quadriller le parc. Donc on a des zones beaucoup plus larges, beaucoup plus claires. En E2, tout ce qui est le lac de la droite, là, pourquoi ça n'a pas été fait? Ils ont remonté l'adresse IP de Franck 39. Eh, c'est le pseudo de Mathias Tellier. Tellier? On a interrogé un Tellier? Bah oui, c'est le prof principal de hier. Oui, oui, c'est mon pseudo, c'est pas un secret. Hein. Franc pour français et 39 pour mon âge. Pourquoi utiliser un pseudo si vos élèves savent que c'est vous? Parce qu'ils s'expriment beaucoup plus facilement s'ils n'ont pas l'impression d'être face à leur prof. Mon blog est destiné aux élèves passionnés de littérature. Ils viennent, ils débattent des livres qu'ils sont en train d'étudier. Et, ouais, c'est par ailleurs un excellent complément de cours. Mais enfin, les débats entre vous et Léa Morel dépassent largement le cadre scolaire. Hein. Ouais. Si vous voulez, les... Enfin, c'est un âge où les élèves se posent beaucoup de questions. Ils se cherchent. Et Léa, encore plus que d'autres. Moi, je suis aussi là pour les aider. C'est beau de s'investir comme ça dans son boulot de prof. Tu dis ne plus savoir qui tu es, mais moi, je vois déjà la femme que tu es en train de devenir, belle, forte, rayonnante. C'est bien vous qui avez écrit ça? Je sais pas, peut-être. Ah non, c'est sûr. Moi, je comprends. Léa était belle, délurée, en plus d'être bonne élève. Avoir une fille comme ça, sous les yeux à chaque cours, ça peut faire perdre des pédales. Vous voulez en venir où, là? C'est peut-être même Léa qui a tout fait pour vous séduire. Enfin, j'étais son professeur. Est-ce que vous couchiez avec Léa Morel? Je vous jure, je n'ai jamais couché avec Léa. Je n'ai jamais touché. Est-ce que vous étiez au City le soir de la disparition de Léa? Non. Ni au City, ni ailleurs, ni au concert. Bon, j'étais en réunion de prof, et d'ailleurs après, je suis allé boire un pot avec mes collègues. Le soir de la fête de la musique, Mathias était avec nous à la dernière réunion, j'en suis sûre. Vous avez fini à quelle heure? Vers 22h, non? Et après, on est allé boire une bière en terrasse. Mathias aussi? Ouais. Il a payé une tournée.
Vous vous êtes quitté à quelle heure? Oh, minuit et demi, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. 1h20. Vous êtes sûr? Oui. Oui, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone quand il est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Mathias? On vérifie juste 2 ou 3 détails avec lui. C'est quoi tout ça? Tu vois ce type de dos là? Qui regarde dans la direction de Léa. Et alors? Alors il a pas du tout la même allure que les autres. Il a l'air plus vieux, là. Il a une veste de costard. Effectivement, ouais. Je veux savoir qui c'est. Mais il est de dos sur toutes les photos. Julien, ça fait 9 heures que t'es là. Faut nous attendre pour dîner. On va s'en occuper, on s'en occupe dès demain. Hein? Chris pourra nous aider aussi. Mais si tu veux, je ferai les invitations avec toi. Tu as l'ordinateur? Oui. Cette chambre? Ouais. C'est très bon. Avant Lyon, Mathias Tellian s'est mis à Saint-Étienne. Mais il a quitté l'établissement en cours d'année pour dépression nerveuse. Dépression nerveuse, c'est ce qu'on dit pour tout n'importe quoi. Hein. C'était quand? Il y a 7 ans. Oui, un instant. Vous voyez, si l'établissement n'est pas déjà fermé pour les vacances, je voudrais parler au proviseur. Ok. Oui. Mathias était un excellent professeur. Mais il a eu un problème et il ne pouvait plus rester ici, voilà. C'est justement pour connaître ce problème que nous avons fait le déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une relation amoureuse avec une de ses élèves mineures. Les parents de la fille l'ont appris. Mathias a dû quitter le lycée pour éviter la plainte pour détournement de mineurs et la radiation de l'éducation nationale. Les parents de la fille sont toujours à Saint-Étienne? Oui, je pense. Ils sont toujours ici. Comment avez-vous su que Mathias Tellier entretenait des rapports intimes avec votre fille? Une de nos amies les a vus et s'est fait un plaisir de nous mettre au courant. Je peux savoir si vous les voulez, Mathias? Vous l'appelez Mathias? Oui, c'est mon gendre. Pardon? Mais oui! Mathias a épousé Pauline. Vous ne le saviez pas? Pauline Tellier, votre fille? Oui. Ben oui. Mathias Tellier a manifestement toujours eu un faible pour les très jeunes filles. Ouais, enfin, d'après les parents de Pauline, leur fille est heureuse et son couple est très solide. Elle changerait peut-être d'avis si elle lisait les échanges entre son mari et Léa. Hein. C'est la juste. Allez-y! Le coup a été porté avec une brique. Une brique Comme on en trouve sur un chantier? Oui, en argile rose. Est-ce qu'il y a eu agression sexuelle? Non. En revanche, Léa était enceinte de 2 mois. Putain. Le gynéco était pas au courant pour la grossesse. D'après lui, elle prenait pas la pilule, mais elle utilisait des préservatifs. Sachez pas, mais pour avorter, elle devait passer par le planning familial et j'ai rien trouvé de ce côté-là. Bon, on lance une recherche ADN pour identifier le père sur tous les hommes de l'entourage de Léa. Pas un mot sur cette grossesse. Et rien non plus sur la brique. Ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est bon. Ça vous va? Allez, on va. Son ADN, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez maintenant? Écoutez, c'est une procédure de routine et il n'est pas le seul concerné. Merci. Allez, même pas, quoi.
Qu'est-ce t'écoutes? C'est la musique que Chris a préparée pour l'église demain. C'est que des morceaux qu'il a aimés. Tu veux écouter? Bah oui, montez avec Sophie. Je vais inviter Molina. Ouais, ça marche. Bon, je vais lui dire qu'on attend la route. Viens, viens voir là. On se retrouve tous au restaurant. Merci. Je te présente Monsieur Tellier, professeur de français. Bonjour. À tout à l'heure. Oui. Léa voudrait pas qu'on soit triste. Et si elle me voyait comme ça, elle me dirait... Chris, arrête de pleurer, ça sert à rien. En plus, t'as le nez tout rouge, c'est ridicule. Léa riait jamais aussi fort quand elle était triste. Elle était tellement plus forte que moi. Je sais plus ce qui la faisait rire, mais... Je suis sûre que c'est le souvenir qu'elle voudrait qu'on garde. T'as ton frère, on me dit. Vous en prenez un château. Tiens, je vous propose qu'on boive quelque chose, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et Chris a raison, il faut qu'on rende hommage à Léa avec toute la joie dont on est capable. Servez-vous, je vous prie. Je peux proposer aux gens. Thank you.
Juna, t'en veux pas. Tu sais, je l'aimais, Léa. Je voulais te le dire, mais que là, c'est vraiment pas le moment. Mais attends, Julien, s'il te plaît, il faut que je te parle, faut que je te dise des trucs super importants. Mais non, faut que je parle avec Julien. Faut que je parle avec Julien. Ça va, il s'est calmé. À mon avis, pour être dans un état pareil, il a mélangé alcool et calmant. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il voulait que je persuade Julien de le reprendre au restaurant. Et pour lui, cet endroit est lié à Léa. Pardon. Putain, il m'obsède. J'ai décidé de retourner bosser. Aujourd'hui ? Aujourd'hui. Tu vas pas prendre le temps dans ta tête ? Ce dont j'ai besoin, là, c'est de sortir de cette maison, de voir des gens, d'avoir des rendez-vous de boulot, très très chiant, et de... Zoé va ouvrir ! C'est Chris, elle vient garder Zoé. Et pourquoi tu m'as pas demandé à moi ? Parce que tu passes tes journées à ruminer dans ton bureau, au resto, et c'est pas ce qu'il faut à Zoé.
je veux plus qu'elle aille au centre aérien. Ouais, je suis d'accord. J'aurais préféré en parler avec toi, mais bon, je suis d'accord. Bonjour. Salut, Chris. Merci beaucoup, hein. Bonne journée, mon gars. Bonne journée. Tiens, je te mets dans neige. C'est qui, neige? C'est Dinas. Le chantier pour les logements sociaux, on est... Ouais, on attend encore la validation du conseil général. Ah oui, alors là, si on attend, on est encore dans 6 mois. Il faut pas attendre avec eux, il faut les harceler. Oui, bonjour, Florence Morel à l'appareil. Est-ce que je peux parler à monsieur Dumas, s'il vous plaît? Tu veux pas prendre quelques jours? Non, je préfère attendre, c'est gentil. Merci. T'es sûre? Oui, je suis sûre. D'accord, ben je patiente. Merci beaucoup. Flo, c'était hier. Pour moi, tout s'est arrêté le jour où j'ai vu ma fille à la morgue. Monsieur Dumas, bonjour, c'est Florence Morel à l'appareil. Oui, bah, je devais vous rappeler. Alors, effectivement, je vous rappelle parce que la validation pour le chantier des RL, on en est où là? Bah oui, mais ça fait 3 semaines qu'on vous a appelé. On a déjà étudié les photos prises ce soir-là, hein? Ouais, je sais. J'ai repris une à une chaque photo de Chris. On a plus de 1500. Vous avez passé combien de temps? Je sais pas, des heures. Regardez le type en veste de dos, là. Ouais. Là, qu'on devine près du bar, là. Ouais. Son allure tranche avec les autres jeunes autour. C'est pour ça, alors moi j'ai épluché tous les axes. Est-ce que... Mathias Stelly? Ouais, le prof de français de Léa, ouais. Oui, je suis allée au City Club. C'était l'anniversaire de Léa, elle avait beaucoup insisté. Et quand tu es arrivée, quand je l'ai vue, j'ai compris que j'avais rien à faire là-bas. J'ai dû rester 5 minutes. Je suis partie sans clé à moi et j'en ai pas parlé à Pauline. Votre femme, vous n'avez pas posé la question à moi si vous m'avez menti. Est-ce que vous m'auriez cru? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas très intelligent comme réaction. Bon, écoutez, c'est stupide, je vous l'accorde. Mais moi, je n'ai rien à voir avec la mort de Léa, donc... Ça, c'est moi d'en décider. Pour l'instant, je vous notifie votre garde à vue à compter d'aujourd'hui 16h. Et pour commencer, on va vous prendre un petit peu de votre ADN. Commandant, c'est le numéro de Nicolas Barraud, il a insisté pour que je vous le donne. Ça fait 6 fois qu'il appelle sans laisser de message. Oui, c'est Molina. Bah écoutez, rappelez-moi sur mon portable, 07 52 12 15 99. 07 52 12 15 99. Bah, ça va? T'étais où? T'étais pas au resto? J'ai essayé de taper toute la journée. Ah, j'ai juste marché un peu. C'est qui la quatrième assiette? Bah, c'est Chris. D'ailleurs, elle reste dormir. Zoé a insisté. Exclut toute nouvelle annonce, le plan de prévention restera donc inchangé, a-t-il dit. Autre actualité du jour, l'enquête qui se poursuit sur l'assassinat de Léa Morel. Information importante, on a appris aujourd'hui que le drame n'aurait aucun lien avec la mort de Véronique Roger. Cette jeune prostituée retrouvée morte sur les bords du Rhône, elle aussi assassinée. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Sachez par ailleurs qu'un appel à témoins a été lancé. Si vous avez des informations, voici le numéro. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau plan social...
Tu préfères qu'on sorte? Non. C'est les infos, je supporte plus. Ouais, Nico, c'est moi. Il est 11h là. Qu'est-ce que tu fous, putain? Tu fais vraiment chier.